Mince. Wow! Ah bah oui, bravo Kevin. De ce côté-là aussi? De quel côté? Je suis totalement à la ramasse. Pas stressé, là il n'y a pas de problème, j'étais pas du tout stressé, mais alors là j'étais de tense. Je commence à avoir chaud. Je pense que la stase là va nous servir quand même. Mince, 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 mince. Ah, viens là, viens là. Attends, toi, on va tester un truc. Mince, viens là, reviens là. Voilà. Très efficace comme arme. Bon, un petit kit de soin par contre ça m'arrangerait. Parce que j'en ai acheté un mais. Vraiment j'aimerais bien en choper un. Donc je dois passer oui à droite. On va regarder ce qui se passe donc à gauche. Avec. Ok, hop là! Waouh mon gars! Oh. Ah non, bah non, lui... Oups. Je voulais pas lui couper la tête, je l'ai fait sans le faire exprès. Hé hé! Oh oh. What is that? Oh bon sang, mais tu m'as fait peur toi. Oh non! Tiens, il est pas mort. Et j'ai fait oublier carrément de le choper ce truc là. Ah. Encore? Eh, vous arrêtez pas les mecs! Ah tiens, attends, c'est... Oui, attends. Il me semblait bien que j'avais oublié à l'aller celle-là. Voilà. Voilà comment je te calme, moi. Quoi encore? Oh bon sang, mais... Mais vous allez arrêter, ouais. Mince. Bon sang, couloir de la mort, hein, je vous jure. Derrière. Ouais, bien joué, Kevin. Et voilà, c'est comme ça, moi. Vous me laissez tranquille, oui. Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils peuvent pas rivaliser avec moi? Et on en a encore. Derrière. Oh oui! Bonne intuition, Kevin!
Waouh, comment j'ai trop géré! Vite une porte. On emprunte la porte. Oh, une station de sauvegarde. Ah, la centrifugeuse. Souvenir, souvenir. Ça fait 33, 34 minutes que j'enregistre. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mes chers, je vais faire une petite pause parce que, après tant d'émotions, en fait, j'ai l'impression que je fais 2-3 épisodes et puis après. Il ne faut pas jouer trop longtemps non plus parce que je sens que je vais avoir très chaud et j'aimerais ouvrir ma fenêtre. À bientôt. Salut, on se retrouve déjà pour la suite et cette fois l'enregistrement s'est bien lancé parce que à l'instant je viens de tenter d'enregistrer et j'ai joué 20 minutes avant de m'apercevoir qu'en fait l'enregistrement ne s'était pas lancé alors que j'avais bien appuyé sur le bouton enregistrer, hein. C'est juste que, ben voilà, question de réglage. Il y a un truc qui s'est déréglé, ce qui fait qu'il y avait des réglages qui n'étaient pas compatibles et que du coup l'enregistrement n'a pas pu se faire correctement. Bref, on se retrouve déjà, puisque bon, il y avait une espèce de fin dans ce que vous venez de voir, mais c'était à la fin de mon enregistrement et j'avais un petit peu foiré mon découpage la dernière fois. Donc on se retrouvait avec un épisode de fin d'enregistrement de 6 minutes et je me suis dit, non, tu vas quand même pas leur proposer un épisode de 6 minutes. C'est pas possible, c'est trop court. Donc on enchaîne directement et ça fait un petit moment quand même que j'ai pas enregistré, donc j'ai quand même pu, avec la tentative de tout à l'heure qui a complètement planté, ça va, j'ai pas trop avancé. On se retrouve avec un enregistrement qui est assez éloigné par rapport à la fin de ce que vous venez de voir. Et comme j'ai joué un petit peu tout à l'heure, j'ai pu retrouver les touches, donc on va aller un petit peu plus vite. Ah, déjà, c'est sympa. Les deux caisses sont là. Kit de soins, merci, on l'utilise tout de suite parce qu'on va en avoir besoin. Hop, lame de découpeur, c'est gentil aussi. N'empêche, j'y pense heureusement que j'ai. Deuxième prise. J'y pense. Heureusement que j'ai pensé à regarder combien de temps j'avais enregistré. C'est en m'apercevant qu'il n'y avait pas le chrono que l'enregistrement ne s'était pas lancé. Si, attendez. C'est en apercevant que le chrono ne s'affichait pas que j'ai su, voilà, que l'enregistrement avait foiré. J'ai un petit peu de mal avec mon intro du coup. C'est vrai que ça déstabilise un petit peu ces événements-là. Tu enregistres et puis tu regardes et tu fais. Attends, il manque pas quelque chose là sur l'écran. Eh oui, l'enregistrement a planté. Donc, voilà, le truc. Ceci est un circuit de refroidissement avec les tuyaux, là, comme vous pouvez le voir. Et il faut remettre les pièces à leur place. Donc, on a un petit puzzle pour reprendre tranquillement. Non, celle-là ne va pas ici. Elle va un petit peu plus par là. Elle va ici, voilà. Alors. Suivante, celle-là. Vise. Oh là là. Allez, voilà. Celle-ci va donc. Non, ce sera pas là. Ce sera un petit peu plus haut. Non, 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 non. Là, ça doit descendre. Ici. Hop. Et normalement, il y en a une troisième et dernière. Ah, tiens. Faudra pas l'oublier, celle-là. Qui doit se mettre. Ici pour non plus. Donc en fait il y en a 4. Ok. Donc celle-là, voilà, doit raccorder le tuyau avec le tuyau du bas. Cherche donc. Oula. Bon, écoutez, on va pas l'oublier celle-là. J'ai pas envie d'oublier. Alors, je suis un petit peu stupide parce que, comme on est un petit peu penché au niveau de la caméra, je penche la tête. C'est un espèce de réflexe. Reviens là, reviens là. Voilà. Voilà. Module de stase. Alors, normalement, les pièces sont facilement repérables puisqu'elles clignotent en rouge. Donc, bah, je devrais la voir quand même.
Bon. Fais pas ton empoté, Kevin. Regarde bien. Écoutez, on va se poser un petit peu et on va avoir une vue d'ensemble, ce sera plus pratique. Ellie, ce satané système de refroidissement est en 1000 morceaux. Ah bon? Ça ne marchera que si les tubes sont connectés. Ouais, je vois des conducteurs parmi les débris. Je crois que je peux les assembler avec les bons connecteurs. Brouille. Le siège du gouvernement sera bientôt hors d'atteinte. Je sais, je fais aussi vite que je peux. Je te préviens quand je finis. Ouais, c'est dingue ça. Normalement, ils sont facilement repérables, les petits morceaux, là, les petits débris. Alors, si ça se trouve, vous l'avez vu, vous vous dites, mais Kev, il est là, bon sang! Moi, je le vois pas. Je ne le vois pas. Alors. Attendez, c'est un truc de fou! C'est un truc de fou! Oh! Oh non, mais je rêve! La face qui clignotait était contre le mur! Bon, j'ai fait une petite ellipse, ça n'a pas duré longtemps, hein, croyez-moi. Ça a duré quoi? 30 secondes, peut-être bien une minute. Peut-être un peu plus, je ne sais pas, puisqu'on ne voit jamais le temps passer. Mais en tout cas, c'est bon! Ah mince, d'abord, voilà, monter. En tout cas, c'est bon, j'ai trouvé la pièce manquante, donc je vais vous dire pourquoi on fait ça, parce qu'on doit donc rassembler le circuit de refroidissement de la centrifugeuse pour que la centrifugeuse soit remise en marche, centrifugeuse qui peut fonctionner pour qu'on puisse réparer temporairement la ligne de tram, pour qu'on puisse passer l'USG Shimura et aller au siège du gouvernement. Siège du gouvernement où se trouve, eh bien, certainement le monolithe, chose qui est... renferme un pouvoir qui donc transforme, enfin qui est responsable de la transformation des humains en horrible nécromorphe, en horrible monstre. Et en fait, la ligne de tram a été détruite par le directeur, Tideman, qui veut nous empêcher d'y arriver. Et donc là, on doit resolver. Je suis pas très bon pour faire l'accent russe. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Nous peut-être regarder centrifugeuse tourner un peu. Non. Bon voilà, elle tourne. On est content. Elle fonctionne. On revient en arrière.